La société Chalier est une société qui travaille dans le domaine de l'environnement, du recyclage et de la valorisation des matériaux. Et nous sommes 180 personnes. Nous traitons environ 10 000 tonnes de différents matériaux par mois et nos spécialités sont les fers et métaux, papier, carton, matière plastique, bois. Nous essayons d'apporter la solution globale aux industriels. Alors ce centre de tri, il est spécialisé, lui, dans le tri des collectes sélectives issues des déchets ménagers. Donc c'est un centre de tri qui fait travailler environ 70 personnes. C'est un centre de tri qui fait partie des gros centres de tri français puisque nous accueillons environ 4000 tonnes de collectes sélectives tous les mois. Et nous avons un centre de tri qui bénéficie des installations techniques les plus modernes comme le tri optique. Alors on investit dans un complément du process de tri qui va nous apporter, j'espère, un gain de productivité important puisque aujourd'hui nous sommes environ à une quinzaine de tonnes heure et on devrait atteindre les 25 tonnes heure une fois cet équipement mis en place. Alors cet équipement, il s'agit d'un équipement qui va simplement doubler celui qui est existant, c'est-à-dire des trommelles supplémentaires, des cribles balistiques qui viendront rejoindre l'équipement existant. C'est un pari technique, un pari technologique que nous entreprenons avec la société Iris qui est le concepteur du centre de tri. Eh bien, moi, j'aime bien travailler avec les gens qui sont compétents et il se trouve que la société Iris est une société qui n'est pas très loin de chez nous à Clermont-Ferrand puisqu'elle vient de la Corrèze, à côté de Brive. Et ce sont des gens qui allient la sympathie et le professionnalisme.